N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé en Irak de la fin de la première guerre du Golfe à 2018. Alors, retour à la fin de la première guerre du Golfe. Les États-Unis et la coalition formée de 34 pays s'arrête brusquement. Que se passe-t-il? Au sud de l'Irak, un soulèvement chiite, probablement provoqué ou télécommandé par l'Iran. Ce soulèvement fait réfléchir les gouvernements en place à Washington. Sous la pression des pays arabes, l'Arabie saoudite en particulier, Washington arrête l'offensive. La destruction totale de l'armée bassiste n'aura pas lieu. Le régime de Saddam Hussein reste en place, mais il est ébranlé, sérieusement ébranlé. La décennie qui suit est marquée par l'embargo décrété par l'ONU. Ces années, pourtant, renforcent l'emprise de Saddam Hussein sur le pays. L'embargo ruinant et déstructurant le pays. Dépossédé de sa principale richesse, le pétrole, l'Irak n'a plus rien. De plus, elle est dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements. L'Irak a été plongé brusquement dans une crise économique sans précédent. En l'espace de quelques mois, la situation humanitaire devient catastrophique, les infrastructures dans les transports et l'énergie sont dévastées, l'inflation est vertigineuse. L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète. L'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is... Alors, à partir de 1994-1995, la dégradation des conditions de vie et le délabrement des infrastructures, en particulier sanitaires, l'ont finalement contraint à accepter les conditions de l'ONU, c'est-à-dire le programme pétrole contre nourriture. Conçu comme une mesure temporaire destinée à couvrir les besoins humanitaires du peuple irakien, le programme pétrole contre nourriture fonctionne de 1996 à 2003. Brassant en tout 64 milliards de dollars. Il permet ainsi à l'Irak de vendre son pétrole et d'acheter, en échange, de la nourriture, des médicaments, cela sous la surveillance de l'ONU. Mais un scandale éclate. C'est une corruption conçue par le régime irakien comme un réseau d'influence internationale. Il s'étend en France, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Australie, en Inde et à l'ONU. Pétrole contre nourriture. Le scandale qui secoue l'ONU. Il est révélé par un petit journal irakien. Et plusieurs milliards d'euros vont être détournés par des proches de Saddam Hussein grâce à des cadres des Nations Unies. On peut se demander si les sanctions économiques globales contre l'Irak étaient compatibles avec le respect effectif de la charte de l'ONU et des droits humains et du droit international humanitaire. On peut vraiment se demander ça. Mais alors, petit à petit, la Russie, la Chine et même la France recommencent à investir. Arrivent les attentats du 11 septembre et les États-Unis font la chasse aux terroristes qu'ils avaient aidés,
rappelez-vous, en Afghanistan en particulier, dans leur guerre contre l'Union soviétique. Un homme du nom de Bin Laden devient le héros de certains et la bête noire de Bush, Bush junior, devenu président des États-Unis. Alors après l'Afghanistan, Washington désigne d'autres États terroristes. Il s'agit de la Somalie et de l'Irak. Pourquoi l'Irak ? Alors là. Il est temps pour nous de nous attaquer aux véritables menaces. Il est temps pour nous de nous occuper de Saddam Hussein. Il est temps pour nous de renforcer la paix. Moi, je suis parti en Somalie, car, paraît-il, Bin Laden y est passé. And you think that I'm ready to fight in American and British. You are ready to go to, to go and Afghanistan, yes. Now I'm ready. Yeah. Retour de Somalie. L'Irak produirait des armes de destruction massive. Alors, les États-Unis veulent passer par l'ONU, comme en 1991, pour frapper l'Irak. La Russie de Poutine, met en garde les États-Unis. Cela ne se passera plus comme pour la première guerre d'Irak. Ils mettront un veto à l'ONU. Des inspecteurs de l'ONU sont dépêchés en Irak le 9 janvier 2003. Les inspecteurs sont revenus, ils n'ont rien trouvé en Irak. Et pourtant, Colin Powell vient faire, devant le Conseil de sécurité, une déclaration tonitruante. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. L'unique but de tout ça, c'est le pétrole. Et pour les Américains, il n'y a qu'une seule façon de contrôler notre pétrole, c'est de détruire l'Irak en tant que nation. Le 14 février 2003, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères français, fait un discours à l'ONU. Il prône la paix. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Le mercredi 19 mars 2003, c'est l'assaut, l'opération Liberté pour l'Irak est déclenchée. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine. C'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. 320 missiles seraient tombés sur la capitale irakienne. Les zones visées, les quartiers administratifs et surtout
le palais de la République, principal palais présidentiel au bord du Tigre. Peu après les bombardements violents du début de la nuit, le ministre irakien de l'information s'est rendu au palais présidentiel partiellement en ruine. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison-Blanche est un meurtrier. Alors j'arrive en Syrie quelques jours plus tard. L'armée syrienne est en état d'alerte, le poste frontière irakien. Personne en vue, puis soudain un petit groupe d'hommes, les forces spéciales américaines. Il semble n'être qu'une poignée. On nous déconseille d'aller plus loin. Les forces de la coalition ne pourront pas nous protéger dans ce no man's land, qui est le long ruban d'autoroute qui nous mène à Bagdad. Des bandes de pillards ont été signalées et ils ont ainsi mis à sac de nombreux convois d'approvisionnement américains. En fait, nous ne voyons que des traces de bombardements et de trafic d'objectifs qui ne sont pas apparemment militaires. Puis des carcasses de chars encore fumantes de l'armée irakienne et, dans les faubourgs de la capitale, voici la machine de guerre américaine. Avec ses chars Abrams en position, et ses hélicoptères de combat. Arrivé à Bagdad, 2 ou 3 heures après la libération de Bagdad par les Américains. Bagdad est finalement tombé sans livrer bataille. Les généraux fidèles à Saddam ont passé un accord avec les Américains. Les troupes de la garde présidentielle qui devaient combattre se sont évaporées. Le centre international olympique irakien est complètement détruit. La ville grouille d'ambulances. En fait, les combats ne sont pas terminés. Des unités de Saddam ont refusé de se rendre. Je n'y vois que désolation. Why they saw this region? This region not army. Les démineurs de l'oncle Sam ont fait sauter un dépôt de munitions, sans prévenir les habitants des alentours. Bilan, 10 de morts. دمر الشعب جوع قتل سلب نائب ليش علم وديش علم النفط احنا كل الاحواس صارت 30 سنه ما مستفادين من النفط خلي ياخذ النفط هذا ابو شيد النفط خلي ياخذ النفط كافي جعنا صارنا شهر قاعدين لا اكل لا شرب لا ما نشتغل خلي يتركونا في حالنا واحد يبوك بالله قل على الكهرباء بوش العراق بذمتهم العراق بذمه بلير العراق بذمه بوش العراق بذمه العرب العراق بذمه بوش بوش وبلير ارهاب هذا بلير صور هذا هاي الحريه اللي يريدوها هاي الحريه هذا احتلال وارهاب هاي الحريه يريدون هذا حريه العراق هذا هو بوش وصدام وبلير ارهاب بوش صدام ارهاب صحيح. Et alors pourquoi l'Amérique de George W. Bush a-t-elle envahi l'Irak? Il est clair qu'outre une volonté d'influencer les évolutions politiques de la région, l'intervention militaire de 2003 a permis aux États-Unis de reprendre pied dans un pays stratégique du point de vue énergétique et d'en évincer la Chine et la Russie qui y avaient développé leurs intérêts. C'est vrai qu'à l'époque, les Américains n'ont d'autre choix que de projeter leur puissance là où se trouvent les réserves pétrolières essentielles à la poursuite de leur activité. Mais les choses ne se passent pas comme Washington le pensait. Des actions de guérilla, des résistants sunnites et chiites
se multiplient. La minorité sunnite est la grande perdante du nouvel Irak. Leur implantation géographique ne reflète pas leur place dans la nouvelle société irakienne. La division entre chiites et sunnites est plus forte que jamais. Se sentant traités comme des citoyens de seconde zone, stigmatisés, réprimés, les sunnites se sont ralliés au discours de plus en plus sectaire et violent des insurgés sunnites, et dont la branche irakienne d'Al-Qaïda fait partie. Et puis enfin, il y a des actes de terrorisme épouvantables. Il y a cet acte de terrorisme qui va déclencher la guerre civile entre Irakiens. C'est à Samarra. Cet acte de terrorisme va déclencher la guerre entre sunnites et chiites. Celle-ci fera des centaines de milliers de morts. Elle se terminera par la prise de Bagdad par les milices chiites. Et c'est ainsi que le 9 avril 2013 naît l'État islamique en Irak et au Levant. Cet État islamique, en 2014, prend Fallujah, à moins de 100 km de Bagdad. Le 10 juin, l'État islamique prend Mossoul. Le 9 août débute une coalition contre l'État islamique avec des Américains. C'est le commencement des bombardements américains. Le commencement des bombardements anti-djihadistes. Mossoul Ouest. Pas un jour ne passe sans que ses habitants ne soient confrontés à la mort. Ce matin, c'est une famille de 11 membres déterrés sous le regard de leurs proches. Ils ont été tués dans une frappe aérienne, voici 3 mois. Les pompiers ne savent pas s'ils étaient des partisans de Daesh ou de simples civils. Voilà 2 mois qu'à la sortie est de Mossoul se croisent civils affolés et forces irakiennes qui remontent vers le front. Les hommes en noir, une unité d'élite qui compte un peu moins de 10 000 hommes, sélectionnés, entraînés, équipés par les forces spéciales américaines. Mieux payés que le commun des soldats, une armée dans l'armée. L'opacité du ciel rend tout soutien aérien impossible. Alors comme chaque fois, l'organisation État islamique en profite pour attaquer. La fuite de ces familles nous confirme l'attaque djihadiste. Stop, arrêtez-vous. Ouvrez vos vestes et avancez doucement. À Mossoul, la menace kamikaze est permanente. On s'éloigne d'ici. Notre quartier est en plein milieu des combats. On s'en va. En quelques minutes, une foule fébrile inonde les rues. Pour l'heure, il n'est question que de reprendre un seul quartier. Une percée de 800 mètres, 3 pâtés de maisons perdus la veille. L'armée irakienne n'est parvenue à reprendre aux djihadistes que moins d'un quart de la ville, après 2 mois de combats acharnés. En 2016-2017, après des batailles épouvantables, il y a des reprises de territoire à l'État islamique. Le 26 juin 2016, les troupes gouvernementales reprennent Fallujah. Sur la défensive, les djihadistes multiplient les attentats. Les forces spéciales irakiennes, sont d'origine chiite. La plupart de ces policiers sont de confession chiite. Ils sont souvent accueillis en libérateurs, surtout devant les caméras, par la population à majorité sunnite. Mais ils ne sont pas dupes. Avec la guerre, les tensions se sont accrues et les plaies seront longues à cicatriser. D'autant que l'armée et la coalition internationale aussi ont dévasté la ville. Le 10 juillet 2017, Mossoul est libéré, mais n'existe plus.
Nous traversons les ruines de la vieille ville de Mossoul, escortés par la police fédérale. Sous les décombres, il reste des tonnes d'explosifs et des centaines de cadavres. Les cratères gigantesques témoignent de la puissance des bombes larguées sur la ville. La coalition a mené une campagne de bombardement massif pour déloger les combattants de l'organisation État islamique de ce quartier, conçu comme une forteresse. La vieille ville est interdite aux civils. Certains ont pu négocier l'autorisation de récupérer quelques affaires dans les ruines de leur maison. Amar Moussa affirme qu'il était un riche commerçant. Il aurait été blessé dans une frappe aérienne. J'ai perdu mes 5 enfants, ma mère, mon père, le mari de ma femme, ma tante, sa fille et ma cousine. Nos maisons sont complètement détruites. La fortune de mon père a disparu. Les bijoux de ma mère aussi. 9 mois de combat ont ravagé la ville. Et évidemment, ont ravagé la population. Il y a une crise humanitaire sans précédent à Mossoul. Le 31 août, les forces irakiennes reprennent le bastion djihadiste de Tel Afar à la frontière avec la Syrie. Encore actuellement, les groupes de l'État islamique sont toujours présents en Irak. Mais pas seulement, il y a également les milices chiites qui représentent un vrai problème pour les sunnites. Tous ces groupes armés représentent un problème pour la démocratie irakienne. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère que l'Irak aura un meilleur avenir, mais pour l'instant, il est plutôt sombre. Voilà, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Au revoir. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, merci.